Allez, hop, on va décrocher ça. Tac, le cardan, la béquille. Hop. Bon, du coup, tac, attends, on va laisser vite fait le tracteur là, on va le sortir en moins du hangar. Hop, je vais éteindre. Donc, on va ma lumière. Voilà, hop, tac, c'est bon. Allez, hop. Voilà. Là, hop, ça c'est bon, c'est fermé. Je vais quand même aller donner vite fait à manger aux poules. Pas trop ce qu'il fait. On va lui donner à manger vite fait aux poules le temps qu'il arrive. Après, j'espère qu'il est au cochon. J'espère bien qu'il est parti au cochon parce que sinon, il est encore en retard quand même. Alors, tac, hop, les sangles. Voilà. Alors, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai tapé dans la benne. J'espère que je vais pas la casser cette fois. Voilà. Voilà, nickel. Alors, ça, notre big bag. D'ailleurs, enfin, je rappelle le. Enfin, je rappelle les gars pour qu'ils me redonnent, qu'ils me ramènent des big bags parce que j'en ai plus. Alors, si j'en ai plus, il y en a rien. Si les poules n'avancent plus, c'est pas très très bien ça. Voilà. Tac, il leur faut juste un big bag, hein, parce qu'on en a pas beaucoup. Au moins un, histoire vraiment pour une semaine, là, qu'on est tranquille. Parce que comme ça, on est libre pour une semaine. Le phénix, je vais le laisser là. Parce que du coup, je vais en avoir besoin pour... Non, vas-y, je vais le ranger dans le hangar. De toute façon, mon ouvrier en aura besoin, parce que... du coup, si je vais les commander aujourd'hui, comme ça, ils vont arriver aujourd'hui, je pense. Donc, il en aura besoin, donc du coup... Lui, il ira le chercher, c'est pas grave. Bon, hop, on va aller sur le deuxième site. C'est parti. Hop. Ah, les clignotants, ils bug sur ce tracteur. Enfin, j'avais fait un demande pour le compteur. Ah bah. Il y a Zimbabwe qui est là. Il y a Daniel. Il est peut-être passé, je sais pas. Je vais le mettre là. Mettre sur le côté. Hop. Salut Patrick, ça va ou quoi? Ça va. Bah écoute, de ce beau temps là au matin. T'es encore avec ton bestiau toi? Bon. Tu changes jamais toi? Jamais. Ah non. Ouais, j'en ai un petit, j'ai un petit JD, mais il me sert beaucoup pour les freins. Ah d'accord. Et là je m'en allais finir de spin une parcelle d'herbe là que j'ai racheté il y a pas longtemps. Ah ça. Bon, bah. Du coup pour le ça fera un peu plus d'herbe. Ouais. Donc c'était quand qu'on avait dit la dernière fois? C'était jeudi hein. C'était jeudi ouais. Donc jeudi, donc là on est mardi, donc ouais bah du coup jeudi, je sais même pas, j'ai même pas regardé la météo. Je sais pas si t'as regardé toi. Bah moi j'ai regardé, prévoit une semaine correcte hein, donc normalement correct. Ça devrait être bon, je pourrais même pouvoir rentrer. Ouais. Parce que là tu vois, j'ai acheté ce tracteur là. Ouais. Parce que du coup bah, j'ai repris des cochons, t'avais vu ça? Ouais, j'ai vu ça. Mais c'est l'ouvrier qui est souvent là-bas, je l'envoie là-bas. Là. Moi, je l'ai croisé il y a pas longtemps. Ouais, moi, je garde avec les gros, moi, je garde les termes. Ouais. Ah, c'est sûr. Là, j'y vais là, parce que du coup, je sais pas ce qu'il fait là. Je crois qu'il est malade, je sais pas s'il est malade ou pas, mais comme d'hab, il est en retard. Ah, je sais pas, j'ai pas vu passer. Ouais, moi non plus. Donc, du coup, je vais quand même aller voir au cochon, du coup, j'emmène des tracteurs, parce qu'il en a besoin. Parce que du coup, il en a besoin là-bas. Ouais. Mais donc, du coup, je sais pas si ça sera moi ou lui. Je vais voir avec lui. Ouais. Peut-être que je te l'enverrai ou je sais pas, faut qu'on voit, parce que du coup je dis. De toute façon, faut me dire, il y a une vingtaine d'hectares après c'est. Il y a une vingtaine d'hectares? De toute façon c'est en. Ouais. C'est en big bag. Ouais. Il n'y a qu'une parcelle. Non, je donne du foin comme ça, mais il n'y a qu'une parcelle d'une vingtaine d'hectares. Ok. Donc au pire si tu trouves pas ou si voilà, je viendrai pour commencer à ramasser avec vous, mais. Je te montre où elle est là-bas, juste derrière les poules, plus loin. Mais... Ouais, de toute façon, j'ai un Arcus, qui prend 16 notes. Donc, Ouais, comme ça, tu pourrais me faire des tas au champ, j'aurais qu'à prendre le plateau. Ouais. Je te ferai des tas et tu viendras, toi, tu ramasseras. Et... Ouais. Parce que j'ai un plateau. Je pense que Pelika, je demande à mon ouvrier, il t'aidera à ramasser, ça ira plus vite. Si t'as deux plateaux, ouais, je sais pas, ça. Ouais, j'ai qu'un plateau, mais bon, on verra. Je m'arrangerai avec la Kimo, Pelika, qui m'en prépare.
Oh, Comme ça, ok. PDK te les amènera, puis après toi tu rangeras tout chez toi tranquille. Mais déjà, faut déjà qu'on presse, et puis une fois que ça sera pressé, ça sera déjà bien. Ouais, bah écoute, bah, du coup jeudi, jeudi on fait ça. Ouais? Vas-y, Pour pas le de soucis, devis, pas de soucis. je te dirai, pour le devis, je te rappellerai. Ok, ouais. Parce que là, faut que j'aille voir les cochons, et du coup je te tiens au courant. Vas-y, bah moi je vais finir de semer. Ok, Comme ça ça va. je pourrais faire mes boules après. Ok. Allez, vas-y, bon Oh, je courage, te laisse bonne pas. journée. Vas-y, je te laisse passer et bonne journée. Merci. Bon, du coup, comme ça, on va voir pour. Ouais, du coup, je vais demander le. Ouais, je pense, je sais pas, on va voir pour le devis. Je pense, je vais pas tarder à faire le devis. Je pense, je vais lui faire un peu PDK. Je pense, je vais lui amener ce soir. Je pense, je vais lui amener ce soir son devis. On va voir ça. On va voir ça très vite, là, parce que sinon. Tac, on voit ça. Allez. Hop, voilà. Nickel. Tac, on éteint le 0. Voilà. Alors. La pailleuse, où est-ce qu'il me l'a rangée? J'espère qu'il me l'a bien rangée où est-ce que je lui avais demandé. Normalement, elle doit être ici. Yes! Bon, une fois qu'il avait compris quelque chose. Bon. Tac. Alors. On va reculer, on va atteler ça. Hop, pas trop non plus, c'est pas le moment de tout arracher. Alors. Tac. La béquille. Voilà. Nickel. Tac. Alors, voilà, super. Là, je vais mettre. Je sais plus, attends. Je vais aller voir carrément dans le bâtiment. Je crois que c'est une botte. Hein, je vais allumer ici. Oh là. L'interrupteur est cassé ou. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait avec mes interrupteurs, mais. Déjà, attends, on va ouvrir déjà. Hop, je vais ouvrir un peu les cochons. Voilà. Tac. D'autre côté, je vais pas allumer. De toute façon, je vais pas y aller de ce côté-là. Bon, ils ont l'air d'aller bien. Les ventilateurs, ils tombent toujours. Par contre, il va falloir qu'ils les décrassent. Il va falloir qu'on les démonte et qu'on les nettoie. Parce que là, ils commencent vraiment à avoir beaucoup de poussière et tout dedans. Tac. Bon, c'est bon. Tous les systèmes marchent. Bon, du coup, je vais mettre ma pailleuse. Ah, c'est vrai qu'en plus, je suis obligé de décrocher à chaque fois. Ça, c'est embêtant, ça. Je crois qu'il va falloir que je rachète un autre truc parce que c'est embêtant. Voilà. Tac. Hop, bah du coup je vais la. Attendez. Je vais la mettre comme ça. Voilà, hop. On va faire. On la déplie. On la laisse s'ouvrir. Et hop, on va la décrocher. Hop, la béquille. Cardan. Voilà. Nickel, parfait. Voilà, bah allez. Quand même. Par contre, du coup, j'aimerais bien qu'il m'appelle. Comment il m'a rangé mes bottes lui? Il m'a collé mes bottes et en appuyant c'est de la colle glue dessus. Ah bah faut tout leur apprendre au stagiaire maintenant. On est obligé de faire tout soi-même bientôt. Allez hop, nickel. Voilà. Nickel. Alors, hop. Oula, peut-être un petit peu trop loin, hein, quand même. Voilà, nickel. Alors, bon, bah, on repack. La béquille. Cardan. Voilà, super. Hein. Hop. On peut enlever les plein phares à l'avant. Je vais laisser les phares à l'arrière. Bon, alors, prions pour que ça rentre. Attention, attention. Voilà. Alors la buse, tac, voilà, super, on va payer un peu ça. Bon bah nickel, franchement c'est bien parti. Hop, on met dans la batteuse. Alors, c'est bon. Bon bah du coup on va finir ça. Putain, ça va être la barre de coupe, elle est géante. Oh, j'aurais peut-être dû acheter plus petit quand même comme barre de coupe. Alors prise de force, c'est ce bouton-là. Et c'est bon, c'est parti. Voilà, bon, activé, tac, hop, régulateur de vitesse, nickel, allez go, c'est parti. Bon, hop, donc du coup, oui, il faut que j'appelle, d'ailleurs, faut que j'appelle Daniel pour lui dire, pour son devis, que
que ma femme va faire ça à la salle de ville. Faut que je le téléphone. Je pense que je vais l'appeler après la moisson, parce que sinon c'est chiant la moisson, on n'entend rien du tout. Oulala, attention. C'est vrai que en plus, on ne voit même pas ce qu'il y a derrière, dans le rétro, on ne voit pas hyper bien. Voilà, parfait. Hop. D'ailleurs, faut que je demande aussi. Je crois que je vais demander à Pôle emploi, du coup, s'il ne recherche pas des ouvriers. Je vais repostuler chez Pôle emploi, bah tiens, bah, il est là en plus de moi. Ah, ça arrête pas, enfin. Bon, bah, il est parti, c'est pas grave. Je l'appellerai après. Enfin, je demande à Pôle emploi, parce que du coup, je pense que je vais changer d'ouvrier, parce que il est toujours, toujours, toujours en retard. Et au final, j'achète des trucs. J'ai acheté le truc de mon tonton, vu qu'il a arrêté le truc des cochons. Au final, je me retrouve avec le thé à gérer, les cochons. Je vais pas pouvoir gérer tout ça tout seul, quoi. Donc, demain matin, je crois que je vais aller chez Pôle emploi, je vais refaire une annonce, ça va être plutôt simple parce que. Mais enfin, je demande à Daniel aussi s'il a pas de lieu, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est installé ici, et putain, je sais même pas s'il a renouvelé, parce que lui, je sais pas, c'est s'il a renouvelé, peut-être qu'il a peut-être un autre site que Pôle emploi, ou c'est peut-être mieux, peut-être, je sais pas, je vais voir avec lui que s'il bosse tout seul ou pas en fait, surtout. Ah, il a sorti ses moutons, tiens. Il a sorti les moutons. Ça c'est mignon en vrai, quand t'habites comme ça dans les campagnes, t'es avec ton matériel, t'as tes moutons, tes petites cochons, tes petites poules, t'as les vaches et tout, franchement c'est hyper hyper sympa, y'a rien de mieux que la campagne. Ah d'accord, ah oui, il a acheté la nouvelle mélangeuse. Ah, elle est pas mal celle mélangeuse, faut que je lui demande. Faut que je lui demande s'il peut la prêter pour que j'essaie pour les cochons. J'ai vu la promotion la dernière fois en allant chez New Holland et j'ai vu qu'ils ont sorti cette mélangeuse là, il paraît qu'elle est pas mal, elle est toute digitale et tout, c'est pas mal, bon, après il y a pas mal d'électronique, mais après il n'y a pas de raison que ça tombe en panne toutes les 30 secondes quoi. Ah, on prend son 30, son petit John Deere. Son 36 machin. Ça son truc il est incroyable. C'était à son daron, mais franchement c'est incroyable son matin. Je sais plus ça fait combien de temps, enfin je me demande, je sais plus ça fait combien de temps qu'il a, mais c'est. Putain, il est incroyable le bordel. Ça fait 20 ans qu'ils l'ont, 25 ans qu'ils l'ont, et jamais rien à faire, pas de point avant, pas d'embrayage, que dalle. Aucun problème moteur, par contre il a fait une fois le tour du compteur, mais ça après c'est normal ça. Plus ça vieillit, puis en plus ça il s'en sert pas mal. Donc du coup ce champ là par contre je crois que je vais le revendre. Je vais voir avec mon notaire, et puis voir avec Daniel s'il veut pas, celui-là je vais le revendre. Parce qu'en fait c'est beaucoup 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 trop petit pour moi. Il faudrait que j'achète un plus grand champ en fait juste pour les cochons, pour mes céréales. Mais c'est vrai que celui-là il est un petit peu trop petit quand même. Hein. Voilà. Hop, là on va faire ça en longueur. Nickel. Ah, faut que je vois pour mon joystick aussi d'ailleurs pour que je les appelle. Ah, j'aimerais bien qu'il me change mon joystick. Ça serait pas mal. Que là c'est pas qu'il est un peu cassé le bordel, mais un peu quand même. Tac, du coup la trimi, ouais, hop, on va les vider, hop, on éteint, chut, nickel. Alors parfait, voilà, nickel. Enfin je demande à ma femme qui vient me chercher le tracteur, parce que je vais pas pouvoir ramener la batteuse, le tracteur, tout ça, parce que je sais pas où est-ce qu'il est encore l'autre, il a dû faire la fête, il est encore en arrêt, c'est incroyable. Hey Patrick, Daniel, ouais. Ça va? Ça va toi? Ouais, j'ai regardé un peu ta machine là, je l'avais pas encore vue. Elle est pas mal hein. Génial la vache. Elle est toute neuve. Ah, le morceau toi. Elle est toute neuve celle-là. Et quand tu vas venir pour battre mon grain là, pour les poules, tu vas aller vite avec... Je vais pas pouvoir suivre moi avec ma petite 15 tonnes là. Ah bah là oui, c'est... La trémie a fait 13 tonnes 7 et la barre de coupe a fait 13 mètres 7 aussi. Alors, Une trémie, tu me remplis ma benne. Oh là 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 là. Et du coup, ton petit tracteur là, je t'ai vu tout à l'heure partir avec, mais il a combien? Il a 25 ans au bordel au moins? C'est mon père qui l'a acheté. Ah, ça, c'est bien donc ça, quand ça, j'étais petit, donc ouais, c'est ça, ouais, il a 27 ans, je crois, un truc comme ça.
Ah, il a fait le tour du compteur, le bordel, hein. Ouais, parce que là, tu verras, tu montes dedans, il y a écrit 2200 heures, mais il y a déjà 10 000 heures à passer. Hein, il a Ah 12 000, oui, d'accord. il a 12 200 heures. Mais il tourne, il démarre au quart de tour. Il me sert, il me sert. J'ai ton devis, d'ailleurs. Ouais? Là, quand j'ai fini, bah, tu sais, je finis mon champ, là. Ouais. Du coup, ma femme vient chercher le tracteur et je vais lui dire qu'elle me le dépose. Et je viendrai te voir après directement à ta ferme ou je Ouais, bah t'appellerai c'est. quand ça va. Bah, de toute façon, tu passes si je suis pas mouton. Là, j'ai deux, trois petites choses à faire au mouton. Sinon, je recoule pour les œufs. Oh, de toute façon, t'as bien vu avec la vitesse où ça va, j'avais pas pour longtemps là, dans 5 minutes, j'ai fini mon champ. Ouais, mais. Bah, je recoule. Je recoule. Ok, ça marche, bah, je passe ma poule. Je te donnerai ton devis et comme ça, on fera comme ça. Ok, pas de soucis. Parce que du coup, mon ouvrier, je sais pas ce qu'il fait là. Moi, je l'ai pas vu. Moi en plus, j'ai été au Et cochon, je pourtant, l'ai appelé. j'ai traversé le village là où je sais pas, il paraît qu'il habiterait par là. Bon, je sais pas, j'ai Ouais, pas il vu de habite dans le voiture, coin j'ai là, lui. rien vu. Ouais, bah, je l'ai pas Non, il a dû faire la fête encore avec ses potes et puis il est encore bourré, donc il est pas bien au boulot. vu. Non, moi, je suis tranquille, je suis tout seul, pas de Ah, t'es soucis tout seul, là-dessus. toi, c'est ce que j'allais te demander, tiens, d'ailleurs, longtemps que tu Ouais, m'appelles. je suis tout seul. Ah, parce que du coup, bah, je crois, parce que du coup, moi, je bosse avec Pôle emploi, mais du coup, si t'as. Je pense, je sais pas, tu connais pas une autre agence qui recrute pas des BRH, parce que des BRH chez Pôle emploi, il y en a plein. Ah bah après tu peux regarder sur les sites agricoles. Ouais, je vais regarder ça, parce que je vais regarder ça cet après-midi. Là, cet après-midi, je vais faire une petite pause déboulot, parce Et qu'il m'en faut un autre. j'ai pas trop fait gaffe non plus. Parce que là, gérer le thé à les cochons, j'avoue que c'est un peu galère tout seul. Ah c'est sûr, c'est pas simple. Du coup, tu voudrais pas ce champ-là, là, le champ-là? Celui que t'es en train de battre. Ouais, celui-là, là. Bah ça peut être intéressant à côté des poules ou des T'as moutons des ou... moutons juste à côté, en plus. Ouais, je sais, j'ai les moutons juste là. Je pense que je vais vendre les deux, là, les deux ensemble. Là. Je vais aller vendre le thé tout à l'heure, je vais les vendre les deux d'un coup. Comme ça, Ah, en plus, puis t'as vu, t'as de pourquoi la main, t'auras juste à la ragrandir et tu m'en pourras refaire une cette herbe. pâture? Ouais. Ouais. Ah, ça peut être intéressant. Ça Au sera pire, juste en face couper de chez toi, en 3-4 plus. arbres. Couper 3-4 arbres ici, ça va vite à faire, Ouais, mais. après, voilà, tu coupes ta France de 3-4 ans, mais c'est bon, quoi. Ouais, ah, ça peut être intéressant. Parce que là, bah là, je vais faire deux tours et j'ai fini le champ, mais c'est trop petit pour moi. J'ai acheté ça et. J'ai acheté Avec une 13 et. machine comme ça. Là, je vais acheter plus grand, je vais acheter. Je sais pas, je crois que je vais acheter le champ derrière chez Thierry, là, avec son gros truc de pommes de terre, là, qu'il a laissé à l'abandon. Donc. Ouais, bah Je sais il plus, je crois paraît qu'à qu'il un est. moment il pensait arrêter, vendre aussi, je sais pas. Bah, c'est pour ça, du coup, je crois que je vais lui acheter, du coup, je vais vendre celle-là, puis je vais lui acheter, je pense, son champ. Ouais, bah ouais. Voir combien il vend déjà aussi. Oui, il sort tout ça, il sort tout ça. Mais du coup, bah, je te tiens au courant tout à l'heure et je passerai te voir tout à l'heure, je vais finir ma moisson. Ok, y a pas de soucis. Bon, allez, vas-y, à tout à l'heure, mon courage. Vas-y, à tout à l'heure. Alors, hop.